Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser le chiffre 3 avec des élastiques et sans machine. C'est parti. Au niveau du matériel, il nous faut deux élastiques couleur au choix, un crochet et deux fourchettes que l'on a scellées ensemble avec du scotch. Je commence par prendre un premier élastique que j'enfile sur mes deux dents de droite. Je fais un 8 et je repasse. Une fois. Deux fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir trois élastiques en tout. J'en reprends deux que j'enfile sur mes deux dents de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper mes trois élastiques du bas pour les faire passer par-dessus. Voilà ce que j'obtiens. Je retourne mes fourchettes, je les place dans ce sens. Je viens décrocher ces deux élastiques complètement pour venir les repasser sur les deux dents de derrière. Voilà ce que ça nous donne. On va répéter l'opération 6 fois encore. Pour continuer, on reprend deux élastiques que l'on enfile sur les deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les deux élastiques du dessous, on les fait passer par-dessus et on fait pareil avec les deux suivants. Voilà ce que ça nous donne. On reprend un élastique que l'on enfile sur les deux dents de droite, on fait un 8 et on réenfile une fois. De cette façon, ça nous donne deux élastiques.
On place les fourchettes dans ce sens, on décroche complètement les deux élastiques et on vient les replacer sur les deux dents de derrière. Pour que ça nous donne 6 élastiques en tout. On en reprend deux que l'on enfile sur les deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les deux élastiques du dessous, on les fait passer par-dessus et on fait pareil avec les quatre suivants. On reprend un élastique que l'on double, on fait un 8 et on le repasse une fois, ce qui nous donne deux élastiques. On place les fourchettes dans ce sens, on décroche complètement les deux élastiques et on les recroche sur les deux dents de derrière. Voilà ce que ça nous donne. On reprend deux élastiques que l'on enfile sur les deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les deux élastiques du dessous, on les fait passer par-dessus et on fait pareil avec les quatre suivants. On place les fourchettes dans ce sens, on décroche et on recroche sur les deux dents de derrière. On continue toujours avec deux élastiques que l'on enfile sur les deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les deux élastiques du dessous, on les passe par-dessus, pareil avec les deux suivants. On place les fourchettes dans ce sens, on décroche complètement et on repasse sur les deux dents de derrière. On continue avec deux élastiques encore que l'on place sur les deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les deux élastiques du dessous ainsi que les deux suivants. On les fait passer par-dessus les deux premiers. Ensuite, on va tirer sur nos élastiques pour pouvoir apercevoir les deux élastiques que l'on a doublés tout à l'heure qui se situent ici. Avec notre crochet, on va venir attraper le premier, donc le premier en partant de la gauche. On l'attrape comme ceci avec le crochet, donc il y en a deux en tout puisque nous l'avons doublé. Et on l'enfile sur les deux dents de droite. On retourne les fourchettes, on place dans ce sens et on vient décrocher les deux élastiques pour les faire repasser sur les deux dents de derrière. Ça nous donne 6 élastiques en tout. On en reprend deux que l'on enfile sur les deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va attraper les 6 élastiques du dessous pour les faire passer par-dessus. On va tirer sur les élastiques et on va voir donc apparaître le deuxième et dernier élastique que l'on a doublé tout à l'heure. Lui aussi, avec le crochet, on va l'attraper, donc il y en a deux, ne l'oubliez pas. Et on enfile sur les deux dents de droite. On place dans ce sens et on décroche les deux élastiques pour les repasser sur les deux dents de derrière.
On continue avec deux élastiques que l'on enfile devant et derrière. Avec le crochet, on fait passer tous les élastiques du dessous par-dessus. On recommence. On recommence encore une fois. On continue. Et on le fait une fois encore. Maintenant, on descend cette partie et on ne s'en occupe plus. On reprend un élastique que l'on enfile sur les deux dents de droite. On fait un 8 et on repasse une fois, deux fois. De cette façon, on a l'impression d'avoir trois élastiques. On en reprend deux. Vous connaissez le principe. On enfile devant, derrière. Et avec le crochet, on vient attraper les trois élastiques du dessous pour les faire passer par-dessus. On retourne, on place dans ce sens, on décroche complètement les deux élastiques et on les recroche sur les deux dents de derrière. Et là, comme c'est assez répétitif et que c'est toujours la même chose, je vous laisse regarder. Maintenant qu'on a fait tout ça, on reprend un élastique que l'on enfile devant et derrière. Avec notre crochet, on va venir attraper les 8 élastiques du dessous pour les faire passer par-dessus.
On retourne les fourchettes, on vient décrocher le dernier élastique qui se situe de ce côté. On le recroche sur les deux dents de derrière. Nous en avons donc deux ici. On vient attraper celui du bas pour le faire passer par-dessus celui du haut. On serre le tout. Et on peut décrocher. On va maintenant travailler un petit peu les élastiques pour que ça prenne forme. Et on va avoir terminé. Et voilà le résultat, nous avons donc maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. De mon côté, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Bye!